EA Sports. It's in the game. For me, it's not just a game, it's a dance. You never know what's my next move. When you're going to show a guy up and pull off a panam, you have to be in complete control. Play fast, play physical. Don't be afraid to bang the walls and maybe you'll keep up. Any dude can bust out a trick, but only legend freestyle all over the court. Everybody can score goals, but can you put it off in style? It all starts in the streets. It all starts in the street. Free your game. Free your game. Free your game. Hello everybody, everybody hello, c'est Kent et on est aujourd'hui dans la démo de FIFA Street. Donc vous pouvez faire pause à chaque écriture là si vous voulez. Donc, comme vous pouvez le voir, il y a trois menus dans cette démo. Donc le menu coup d'envoi pour faire un petit match avec des bots. Le World Tour c'est pour créer une sorte de petit club et jouer contre des bots aussi. Et là on va le voir maintenant, c'est l'arène d'entraînement où on est tout seul face aux gardiens. Donc voilà. Donc là voilà, c'est un peu comme dans FIFA, le petit icône au-dessus et tout. Bon, je vais pas rester longtemps dans ce menu parce qu'il est pas très intéressant. Voilà, bon, on va quitter je pense. Voilà. Donc on va passer au coup d'envoi. Donc là on peut voir qu'il y a 55, règle petit pont, futsal, dernier survivant et partie personnelle. Ça s'annonce pas mal pour le vrai jeu. Mais là on ne propose que 55. Donc là on peut jouer à 4v4. Ce que je peux voir. Donc je vais prendre Adidas, All-Star Adidas plutôt, contre Milan. Position, je laisse ça. Bon, si vous voulez voir la position d'Adidas, on va voir ça. Donc au goal, il y a Neuer, Daniel Alves en défenseur, Kaka en attaque, Messi en attaque, Benzema en attaque. En remplaçant, j'ai Schweinsteiger, Nani, David Villa, Van Persie, Xavi, Robben. Il est peut-être rentré de Nani à la place de... deux personnes. Donc... et je vais... Là, on peut aussi choisir le lieu. Mais bon, dans la démo, on n'a qu'un. On n'a pas trop le choix. Tenue. Donc là, j'ai pas trop compris. En fait, avec street domicile, street entraînement domicile, entraînement extérieur... Ok, je viens de comprendre. Je vais jouer en blanc pour une fois parce que je joue jamais en blanc. Et eux, on va les mettre en suite comme ça. Voilà. Coup d'envoi ou paramètres. Ouais, paramètres. Donc là, on peut régler des paramètres, le son, etc., etc. Voilà. Donc rond. Bon, le chargement est un teint peu long. Voilà, donc coup d'envoi. Allez, c'est parti pour un petit match. Maintenez L2 pour passer en dribble à l'arrêt. Mutiliser machin. Ah, ouais. Ok. Allez, c'est parti. Donc là, ça commence au milieu. Donc je vous le dis, hein, je sais pas trop jouer donc. Regardez pas le niveau.
Il y a les centres, je comprends pas encore. J'ai un peu de mal avec les centres. Allez, pousse-toi. Pour l'instant, j'ai pas fait de trucs très glorieux. Alors, on va s'amuser avec lui un peu. J'ai mis un petit pont, mais il m'a bloqué. Et pousse-toi. Lâche le ballon. Et je me suis pris un vieux but. Faudrait pas perdre, hein, ça serait con. On va s'amuser un petit peu. Ah là là. J'ai mal fait le deuxième geste. C'est ça que je voulais faire. Il se boite en prenant le ballon, je comprends pas. Voilà. Plus 900, pas mal. On va laisser le ralenti pour voir. Des fois on a des ralentis carrément, la caméra elle est dans la cage. Je sais pas si on pourra le voir dans ce gameplay, mais c'est assez sympa. On peut même sortir le goal et on peut même le jouer, regardez. Mais bon, ah. Regardez, et contrairement à FIFA 12, le goal lui est technique. Hop là, vous savez quoi, je vais essayer de marquer un but avec le goal pendant tout le match. Ce sera le défi. À chaque fois, il y a un mec. Quand on dribble quelqu'un, les avantages c'est qu'il y a toujours un mec derrière en fait, qui nous prend le ballon. Voilà, regardez. Ah! J'ai un peu de chance, mais c'était pas mal. Voilà. Donc là, c'est le moment où ils vont s'exciter vu qu'il n'y a plus beaucoup de temps en fait. À 10 secondes, ils commencent à tirer et tout. J'ai réussi. Voilà. Voilà, défi réussi. Donc on va essayer de faire des trucs assez beaux. Je vais vous montrer un jeu technique que j'ai découvert tout seul. Mais bon, il y en a plein que j'aimerais faire, mais je ne sais pas comment les faire. Ça, c'est bien dommage. Dans le manuel du joueur que je vais vous montrer maintenant. Là, manuel du jeu, en fait. Il y a un peu tout qui est expliqué, là c'est les statistiques, là c'est les touches, et là c'est un peu des gestes techniques en fait. Mais il n'y a pas tout de proposé, il n'y a pas tous les gestes techniques, et ça c'est dommage. Regardez, il manque plein de trucs. Mais bon, c'est pas grave. Allez. Quoique, attendez, je viens de voir un truc. Deux secondes, hein, désolé. Ah, il y a encore une page après. Ah, j'avais pas capté. Bon, j'ai rien dit. Donc, on va un peu voir ce qu'on peut faire. Genuflexion. J'aimerais bien faire un truc en fait, mais je trouve pas. Tac. Bon, vous pouvez voir qu'il y a beaucoup de trucs quand même.
c'est pas grave. Je regarderai ça offline, en offline. Donc ça, je le fais tout le temps, c'est simple. Après, il y a un autre geste qui est sympa. On va le faire avec lui. C'est vous jonglez, vous êtes gauche-droite, et hop. Bon, après, le petit ponce, faut attendre qu'il écarte bien les jambes, en fait. Moi, bon, j'ai loupé, là. Encore loupé. Voilà. Après, il y a les passes fantasques, comme ça. Merde, c'est pas comme ça. Comme ça. Putain, les passes fantasques en l'air aussi, je me suis loupé. Lâche le ballon, voilà. Il est passé. Donc le match est très court, hein. C'est normal, c'est un foot de rue. Hein. Ah, ça je sais pas le faire par contre. Donc on peut jongler devant l'adversaire. Vous voyez, je viens de dribbler un mec, il y a quelqu'un derrière qui l'a récupéré. Et ça je trouve ça con. On peut pas enchaîner en fait. Enfin moi j'arrive pas parce qu'il y a toujours quelqu'un derrière. Même moi que l'habitude, je pense que ça va mieux aller. C'est un peu comme FIFA, hein. Faut le temps de jouer et ça va tout de suite mieux. Ouf, j'ai cru qu'il avait pas arrêté ce but. Donc là, hocus pocus. Alors vous voyez. La roulette aussi, on peut faire je crois. C'était beau. On peut aussi faire des tirs fantasques. Dès que j'ai le ballon, bien sûr. Il me reste une minute pour vous montrer ça. Allez, lâche le ballon, Ibra. Donc si j'arrive à passer ce joueur, je pourrais me rencontrer. Non, j'ai pas réussi, parce qu'il faut que la balle soit à ras de terre. Allez. Voilà, donc c'est à peu près ça. Bon, il est pourri le but, hein, mais... C'est pour vous montrer. Donc on va finir ce match, et après je vais aller en World Tour. Hop là. Ah, j'ai tiré, ça a pas marché, fait chier. Donc là, le mec s'excite et dit des trucs incompréhensibles. Neg, ning, ning. Et là, ça, je comprends rien. Et là, le goal, il sort aussi à la fin du match. Donc voilà, victoire de All Star Adidas, je crois quoi. Donc après, les fameux ralentis à la fin du match, on va les passer. Voilà. Et là, on peut voir aussi, à droite, vous pouvez voir les points. Enfin, ils comparent les points de trick entre chaque joueur. Donc voilà. Donc, quitter. Et là, on va aller en World Tour. Donc, World Tour. Dès que le changement vous revient que j'y aille, voilà. World Tour. FIFA Street est capable de reproduire un pro virtuel créé dans FIFA 12. Ce joueur deviendra alors votre capitaine. Tout changement apporté à ce joueur n'affectera pas le pro virtuel original de FIFA 12. Voulez-vous vérifier la présence d'un pro virtuel de FIFA 12 sur vous? Oui. Donc voilà. Et là, ils vont m'importer en fait mon pro de la FIFA 12 quoi. Donc voilà. Donc là, on peut modifier les cheveux, on peut tout faire. Couleurs. On a toujours les mêmes couleurs que dans FIFA 12. J'aurais bien aimé qu'ils mettent le rouge, mais ils veulent pas apparemment. Donc voilà, on peut tout modifier, hein. Je vous montre pas parce que visage, voilà, vous voyez à peu près quoi. Corps. Donc là, je veux juste me grandir d'un petit peu. Longueur des bras, moyen. Longueur de la jambe, comme ça. Voilà. Cheveux, c'est bon. Information. Donc Mika Ken, surnom, on s'en fout, France, numéro 9, droit, français. Et là, on peut choisir le type de voix de l'entraîneur, je crois. Moi, je prends la troisième.
on va pas s'attarder sur ce petit détail. Terminé. Ça charge. Donc là, on choisit notre région. Donc Canada, États-Unis, Espagne, Italie, Allemagne, Royaume-Uni, Irlande. Putain, j'arrive pas à y aller, voilà. Donc moi, je vais aller en France. Et comme je suis du sud-est, je vais au sud-est. Ben, qui va être le prochain? Bon, en fait, je vais vous dire. Dans la première... j'avais été chercher la démo sur la Store US et j'avais eu Zizou là, à la place de Ben. Bon, là, j'ai Ben. Qui veut être le prochain à taper dans la balle? Ok, j'arrive. Moi, je veux bien. Moi aussi. Ah, Zizou, il est là. Vous l'avez vu. Donc voilà. Donc là, on va refaire un match contre des gens. Enfin, pas en ligne. Hein. En fait, là, je comprends pas trop ce qu'on fait. En fait, je pense qu'on joue contre des mecs de la street, pas des mecs connus. Donc des mecs créés par la FIFA. Dont mon joueur que vous pouvez voir là, Kent. Il y a... Par contre les dribbles... Oh putain. Niveau... Je suis pas sûr que ce... Non, c'est pas un mec en ligne ça. Les dribbles... Attendez parce que... Je sais pas si c'est un... Non franchement je sais pas si c'est un mec en ligne ou pas mais... Je pense pas. Non je pense pas. Non, il m'aurait déjà foncé dessus là. Vous voyez, il y a des gestes en bas qui sont loqués. Je sais pas si vous voyez le cadenas. Bah voilà, ils sont loqués. Donc en fait, avec ces petits joueurs, je peux pas faire grand chose. Donc c'est pas très intéressant. Ouais, on va sortir le goal. Le goal qui a une casquette. Non mais voilà. Ah, bonjour, les mêmes chaussures que dans le FIFA. Non, il y a des chaussures rouges en FIFA, mon joueur. Mais ils lui ont mis des chaussures jaunes. Et là... Ah oui, là c'est dans la street. Il y a c'est un autre terrain, il y a des plus grandes cages aussi, je viens de remarquer. Lâche le ballon. Moi je suis en train de me faire atomiser, mais c'est pas grave. Plus vite ça finit, plus vite. Voilà, hop. Donc c'est la première mi-temps de terminer. En même temps, ça montre notre phase de gameplay. C'est pas plus mal. Bon, on va essayer de gagner quand même. Hein. Ça c'est bien, ça c'est beau ça ce que je viens de faire. Ça aussi. Mais regardez, il m'a bloqué. Quand je l'ai humilié en fait il m'a bloqué. Ça me saoule aussi. J'arrive pas à le faire ça en vrai. Voilà. Là par exemple j'ai fait un tir fantasque, j'ai fait L1 rond. Il a fait ça quoi. Après je sais pas si on fait rond tout court, ça il le fait aussi mais. Attends, fais ce truc. Par contre on est que 3 sur le terrain, je viens de remarquer. Zizou. Ah non, vous voyez le centre, j'ai du mal encore avec les centres, comme je vous l'ai dit. Ah non, oui, bien joué. On va essayer de gagner le match quand même. Hein. Même pas.
ceux qui n'auraient pas compris, c'est pas le vrai Zizou. Hein. Il ressemble beaucoup, mais c'est pas lui. Hop, et là on peut tirer parce qu'il y a personne. secondes. Normalement dans ces secondes là le goal il aime bien sortir des cages, donc bon, et voilà, on a gagné 2-0. Je sais pas ce qu'ils font, ils discutent, ils serrent la main, je sais pas, voilà. Donc encore un truc à voir. Donc là apparemment on augmente des niveaux et voilà, on augmente des niveaux quoi. De notre équipe et des gens. Et de nous-mêmes quoi. Je viens de faire tomber ma clé USB. Donc là, hé mec, j'ai entendu dire qu'il y avait une compète de street dans le coin, faisons une équipe et on ira taper un peu dans le ballon histoire d'être prêt. Ouais. Donc en fait voir le tour c'est un peu le tour du monde je pense. Mais pas en ligne, je me suis trompé. Création de logo. Donc là on peut créer le logo de notre équipe. Donc on va le faire vite fait. Hein. On va prendre genre ça. Et regardez cette étoile, on dirait pas l'étoile de Call of Duty. Donc voilà. Attendez. On va prendre un truc assez beau quand même. Donc il y a quand même du choix. Bon, il y a pas trop choix non plus, mais. Il y a quand même du choix quoi. On va prendre ça. Donc voilà, on peut colorier la face quoi. Je crois que je vais prendre rouge, noir, et là on va mettre or. Donc c'est moche mais je m'en fous. Hein. Et là on va mettre grand. Et voilà. On a notre logo. Notre beau logo. Nom de l'équipe. Bien sûr, je mets oui. Non, équipe annonce. Donc là, c'est quand ils vont annoncer à haute voix, quoi. On va mettre. On va aller dans les cas. Mettre Legends. On s'en fout. Remplir la liste. Donc là, on remplit la liste de joueurs, quoi. Donc ajouter les joueurs depuis le match amical. Créer un joueur ou chercher un joueur d'amis. Tiens, on va peut-être chercher un joueur d'amis. Et là, on peut voir que j'ai Ben Alcoud de Tonic Ben de Fufu et de Ronaldinho de Alan. Ok, on va prendre Fufu. Et on va prendre Ronaldinho de Alan. Et on va prendre le joueur de Tonic Ben aussi. Voilà. Et maintenant on peut prendre des joueurs du match amical. Donc on va prendre le Zizou. On va prendre Belanda. I'm in. Tais-toi Mike. Voilà, on va prendre le Toto. Donc là on a une équipe de. De 1, 2, 3, 4, 5. Et là c'est le remplaçant. Voilà. Comment on peut pas quitter Capron. Voilà, terminé. Donc là c'est la couleur des buts publics en rouge et noir. Et je signe en bas de la page. Voilà. Voilà, donc là on a créé notre club en fait en mode World Tour. Donc là on a deux matchs, Shanghai. Ah bah Shanghai je l'ai jamais fait, donc ça sera assez bien, on va le faire ensemble. Donc tenue par contre là, je vais confondre, donc on va changer. Ça je mets ça. Et je vais mettre leur maillot, voilà. On va se faire éclater vu que c'est Ibrahimovic, Boateng et Akilani, mais bon, c'est pas grave. Composition. Juste je vais changer un. Il y a le Belanda, je vais mettre Fufu. Et voilà. C'est parti.
la compo. Pourquoi? Attends, je vais juste rechanger encore. Vous allez voir. Excusez-moi. Mais je suis pas en attaque et je précise pas trop. Voilà. On va juste là et voilà, c'est bon. Pourquoi moi il y a marqué M.Kent et lui il a marqué Fufu et Ronaldinho? Ça je sais pas. Bon, c'est pas grave. Coup d'envoi. Le premier à 1000 points. Oh oui, versus Milan. Ça rigole pas au Milan. Non, c'était nous ça, merde. Allez, on peut voir, il y a les petites cages. Par contre, ils veulent pas prendre un petit pont. Excusez-moi si je fais de la merde, mais ils défendent là, je sais pas ce qu'ils foutent. Voilà. On a les mini bras. On fait la passe à Kent. Et on marque. Donc moi je pars du principe que si on fait on dribble un joueur, on a le droit de tirer. Parce que sinon c'est trop nul quoi. Joue Ibra. Bon, Ibra est un peu grand, donc pour faire un sombrero à Ibra, je pense qu'il faut y aller. Moi je peux tirer, mais c'est pas marrant, vous voyez. À part si je fais des trucs comme ça. Donc là j'ai pas compris le principe en fait. J'ai jamais fait ça, excusez-moi, mais je pense qu'il y a des points en haut. Genre là, si je fais un petit pont, on va voir si ça augmente les points. Allez, viens. Ouais, ça augmente les points. Vous voyez? Ah, en fait, c'est des points de freestyle, je viens de capter. Donc en fait, je pense qu'il faut faire que des tricks. Donc là, ils ont gagné des points. Petit pont. On fait la passe. Sombrero raté. J'essaie de faire une reprise sur une petite cage, c'est un peu chaud. Lâche le ballon. Mais genre il me dribble alors que je suis en train de lui prendre le ballon, tu comprends pas. Hop 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 hop. Bonus max j'avais. Non, tu m'as pas mis un petit pont. Mince, j'ai lâché mon défenseur. Là, je sais pas qui c'est nous qui avons le plus de points. En fait, je crois qu'il faut pour valider notre but, faire des tricks en fait. Sinon, ça compte pas. Genre, là, si je fais un petit pont, je fais la passe et je marque. Merde, il a arrêté le but. En fait, ça me fait des. Ouah, le but valide les points, je pense. On va voir ça. Ça, le match il est assez long, on a le temps de découvrir. Ah mais lâche le. Pousse-toi. Là si je marque ça fait rien. Je pense. Ouais ça fait. Ouais un but normal c'est ça me fait genre 200 points. Mais je pense que si on fait plein de dribbles et tout, ça doit faire un bloc de points. Pousse-toi. Excusez-moi si je joue mal, hein, mais bon. Ils n'ont pas trop de dribble. Hein. Je voulais valider les points. J'ai encore dribblé.
touche le genou. Petit point Ibra ou pas? Allez, petit point Ibra. Hop. 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 Et voilà. Donc vous voyez, ça fait 789 points. Donc à force de cumuler les tricks, plus le but, ça fait des additions de points. Et ça fait beaucoup de points, quoi. Et je pense que j'atteins la limite de points. Ouais, ça doit être ça. Ah ouais, le premier à 1000 points, j'ai pas vu, ouais. Ok. Donc là, ça augmente encore nos... Je crois que j'augmente le pro à Fufu en même temps, je suis pas sûr. Mais bon. On va voir, on verra ça. Donc voilà, donc là, Jean-Guy, donc c'était faire des tricks, quoi. Maintenant, on va aller en Amsterdam pour vous montrer un peu. Donc là, on va jouer vraiment contre... J'ai juste changé quelqu'un. On va mettre Alcalou de la place de Belanda. Et voilà. Fufu avec moi. Voilà, donc ce sera le dernier match de la vidéo. Une vidéo assez longue, hein, qui dure déjà depuis 33 minutes. Mais bon, au moins c'est une bonne grosse vidéo et j'espère que vous allez l'apprécier. On est en train de violer Messi et tout. Oh, je jure, si mon joueur il fait un dribble à Messi. Vas-y Messi, viens. Oh, excuse-moi Messi. Voilà. Benzema m'a bloqué, hein. C'est pas grave, j'ai quand même marqué. Putain. Genre, j'ai juste fait rond dans le... pour le prendre le ballon et ça l'a fait comme si il m'avait passé. J'ai bien un geste. Mon geste, je crois que j'ai préféré, je crois, pour l'instant, c'est celui-là. Non, pas celui-là. Ah bah, oh, petit pont. Oh non. C'était beau, mais dommage. Et même par là. Oh, qu'est-ce que je fais? J'ai gâché une belle action. Il y a aussi un problème, c'est que les bots des fois ils marquent contre leur camp plutôt. Ça m'arrive plusieurs fois. Et puis à des potes aussi, donc il faudrait qu'ils règlent ce petit problème. Très beau but de Kent, hein, comme on peut le voir. Il y a aussi des rumeurs. Comme quoi on pourrait faire le geste technique de Thierry Henry. Je mettrai peut-être la vidéo de Thierry Henry à la fin pour vous voyez ce que c'est. Ouais, je pense que je ferai ça, je mettrai la vidéo de Thierry Henry à la fin. Ah, Benzema, désolé. Ouais. Voilà, la première mi-temps terminée. Cette vidéo va bientôt s'achever, donc... J'espère qu'elle vous a plu, aimez-la si vous l'aimez, si vous avez aimé bien sûr. Commentez-la, ça me fait plaisir de savoir ce que les gens pensent de mes demi-vidéos. Abonnez-vous à la chaîne si ça vous plaît. Suivez-moi sur Twitter, je mettrai mon Twitter sur le... maintenant là. J'ai pas encore de Facebook, hein, pourtant je n'ai pas trop d'utilité. Et voilà. Donc on finit le match. J'essaie de faire un coup franc aussi en passant. Waouh, génial.
on va finir le match et après je vous mettrai le but de Thierry Henry. Maintenant on a une bonne avance de 4-0. Je vais faire que des tricks, je pense. Enfin des buts mérités, on va dire. Ah dommage. Dommage. Allez viens la caca. Eh mais c'est ma compo en plus qui est en face. Ma compo de Adidas que j'ai joué tout à l'heure. Ils ont gardé ma compo, ça c'est bien ça. Parce qu'à la base dans la compo il y a Robben et Xavi que j'ai enlevé, j'ai mis Benzema et Kaka. Ah merde, j'ai cru que Benzema était avec moi. On peut pas faire de tour du monde, dommage. J'ai mis un beau but, hein. Enfin, j'apprécie ce but en tout cas. Donc vous me direz hein, dans les commentaires ce que vous en pensez de la vidéo, de ce que je fais, et voilà. Donc le goal est sorti, ça c'est bien ça. Ah ce genre. Allez on marque un dernier but. Pousse-toi. Pousse-toi. Bon alors laisse tomber pour le dernier but, on n'arrivera pas. Il temporise avec le ballon, on voit. Voilà. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. C'était Kent, à la prochaine. N'oubliez pas d'aimer, de commenter, de favoriser si vous adorez la vidéo et de vous abonner si vous aimez. Donc, et allez sur mon Twitter. Donc allez, tchou tchou.